Écoutez, je participe à l'inauguration qui est d'un ouvrage de la ville. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer à Je vais me renseigner sur le sujet parce que c'est un ouvrage public, effectivement. Non, non. Vous êtes qui? Moi, je m'occupe de la communication ici, je suis d'accord, plus marque. Donc, d'accord. Je vais vous demander une chose, ouais. Vous allez vous mettre un peu plus loin. Non, moi j'aime bien avoir la vue là. Non, bah, vous partez, puis c'est bah, pourquoi je partirais? Parce que monsieur, vous avez été mis sur la liste des médias? Oui, je suis média, moi. D'accord, vous me montrez sur la liste, je suis sur la liste des médias. Bah, je sais pas, TVNet donc, citoyenne, vous regardez, c'est à vous de regarder. Donc, vous y êtes pas. Je le sais parce que vous n'y êtes pas. Non, donc, mais vous allez vous mettre ailleurs, s'il vous plaît. Non, moi je fais l'interview là. Et bah, appelez l'agent de sécurité. Non, je ne sais plus de ce que je vais vous dire, comme ça vous saurez. Alors, Gérard Blanc, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot? Monsieur, s'il vous plaît, vous descendez. Non, pas du tout. Et, je ne descends pas. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas ma caméra. Mais vous n'avez pas le droit de filmer. Mais si, j'ai le droit de filmer. Ah non, vous avez l'autorisation? Bien sûr. Vous ne me touchez pas. J'appelle la sécurité. Et bien, appelez la sécurité. Faites votre. J'attends de voir. Faites votre travail de petit soldat. Allez, hop. Alors, Gérard Blanc, est-ce que c'est possible? Eh, vous ne me cassez pas. Vous ne me cassez pas la caméra. Vous ne me cassez pas la caméra. Venez. Comment ça? Mais vous n'avez pas le droit de filmer les gens sans demander leur autorisation, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la 17e chambre correctionnelle, sinon. D'accord. Mais vous êtes donc, qui? Je sais pas. Vous êtes monsieur, vous n'avez pas filmé mais vous les êtes qui? Comme ça. Vous êtes qui? Monsieur, vous n'avez pas filmé les gens comme ça, c'est... Mais vous êtes qui pour m'interdire? Scandaleux! C'est scandaleux, hein? Scandaleux ce que vous faites, hein? C'est une multinationale qui fait ça, c'est ça? La presse, ça vous dérange de faire une interview dans une terrasse, là? C'est possible, ça? C'est pas possible pour vous? Mais pourquoi je peux pas assister à l'inauguration? C'est une inauguration, c'est un événement qui est... Mais vous avez des élus, c'est pas privé du tout, c'est un... C'est payé, mais on s'en fout que vous invitiez pas la presse, moi j'ai pas besoin de vous inviter. La presse, ça s'invite, hein? Vous savez que vous êtes en France? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette multinationale? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le droit d'interdire la presse? Vous plaisantez ou quoi? Mais vous avez le droit en plus de casser mon appareil, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure? C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Mais ça sert à rien du tout de quoi? Ça sert à rien de revendiquer la liberté de la presse, ça c'est une multinationale comme vous? Ça va pas? Ça va, mais ça va pas? Vous partez! Mais vous êtes quoi? Mais vous êtes qui pour vous comporter comme ça? Allez, l'ascenseur vous attend. Non, je prendrai l'ascenseur quand vous arrêterez de m'agresser physiquement. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous ne touchez pas mon appareil. Il n'a pas touché là, monsieur. Non, il n'a pas touché l'appareil. Depuis tout à l'heure, il touche pas mon appareil. Vous vous moquez de moi ou quoi? Oh, les excités. Voilà, là, c'est eux les excités. C'est eux. Vous avec moi, monsieur. Monsieur. Non, mais je vois un élu, moi. Non, vous montez là. Allez, là. Oh! Allez, c'est monsieur. Allez, je vous raconte. Je vous interdis de me filmer, monsieur. Allez-y, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors.
alors, qu'est-ce qui se passe? La presse est accueillie par la police. C'est beau. Ah bon, d'accord. Voilà. Non, alors, je vous signale que ces messieurs, on va le mettre en ligne, hein, m'ont agressé vraiment physiquement. Donc on va voir comment on va donner la suite, parce que si vous êtes la police, vous êtes là pour faire respecter, d'une part, le droit de la presse, qu'ils ont refusé. Hein. Je sais pas, vous m'écoutez pas? Là, nous, on est appelés pour... D'accord, mais moi, je me prête... D'accord, donc je m'appelle Olivier Bérardi, je suis de la TVNet citoyenne, j'ai été agressé physiquement, par le... Voilà, non, je vous le dis. Vous allez déposer plainte au commissariat. D'accord. Se fait-il que la presse soit pas invitée et qu'elle soit malmenée comme elle l'a été là? Enfin, même violentée, on peut dire. Bah écoutez, j'ignore. C'est Cupar qui a fait les invitations. Oui, c'est donc les élus n'ont aucun pouvoir, c'est Cupar qui commande. Qu'un directeur de la communication me jette dans un ascenseur, violente, essaye de casser l'appareil, ça vous en fichez? Me jette dans un ascenseur. Comment se fait-il que la presse ne soit pas, que ce soit Cupar qui décide de qui doit venir? Comment ça se fait que les élus que vous êtes ne décident pas, n'aient aucun pouvoir par rapport à ça? Je ne comprends pas parce qu'il y avait quand même pas mal de presse. Donc, j'avoue, je ne peux pas comprendre pourquoi vous n'étiez pas parmi les représentants de la presse. Bah parce que c'est pas vous qui décidez, quoi, c'est Cupar.